Exactement. Alors le chouchou du public, c'est Thomas Voeckler, bien sûr. Révélation, devenue consécration dans ce tour. L'Alsacien qui parle créole et qui donc impressionne tout le monde. Hein. Tout le monde en a que pour Thomas Voeckler. Alors Rodolphe Godin l'a suivi toute cette semaine. Vous allez voir, sans commentaire, des tranches de vie. Rodolphe Godin avec Pierre Le Petit pour les images et le montage d'Arnaud Kéon. Et Beaupère derrière, et qui se bat, qui se mord les lèvres, et qui serre les dents pour aller chercher quelques secondes de jaune. À 500 mètres de la ligne, Thierry Bricot est monté à ma hauteur pour me dire que c'était bon, que ça devrait le faire. Mais quand j'ai aperçu le chrono décompté et que j'ai vu que c'était inférieur aux 5 minutes, il n'y a que là que j'ai compris et je me suis vraiment battu jusqu'au bout. Quoi. Les gens, comment ils criaient. Impressionnant. Mais j'ai pas trop entendu dans celui-là. J'étais concentré sur le truc, quoi. Ah ouais. Oh là, ça pète. C'est pas méchant hein, de rigoler avec les mecs qui pètent. Parce que nous, on perd habituellement, on pète un paquet de fois. Mais là, vu que c'est nous qui roulons, ça fait plaisir, comme vu qu'on a mal devant. C'est le risque à faire monter après. Ouais, et après Armstrong il a fait la fin. Non. Voilà comment ils bougent pas les mecs. Oh la classe, comment ils ont la classe. Bah ouais. Oh. Moi j'étais très très limite là. Fais chier parce que toi t'es à fond dans les roues et t'espères qu'ils soient à fond quoi. Et puis ils sont pas. Et en fait ils sont pas à fond. Je vais voir Konica pour un impact positif. Je suis dans le gaz. Manifestement, et c'est magnifique, attend Thomas Voeckler. Peut-être que ces deux hommes, en alliant leurs forces, vont pouvoir revenir un petit peu sur les hommes de tête, mais ça explose. Ça va, je conserve le maillot aujourd'hui, ça fait toujours une journée de gagner. Vous avez jeté un œil à l'étape.